Mes chers amis, l'actualité là, on ne la cherche pas par force. Mon frère Fally Poupa, on ne force pas l'actualité. Depuis le mois de juin, depuis le mois de juin 2023, Fally a tout fait pour retourner à l'actualité, pour être numéro un dans les actualités. Malheureusement, Ferregol a fermé la porte, a fermé toutes les portes possibles. Fally vient avec beaucoup de choses, il cherche où grimper, mais toutes les portes sont fermées. C'est pour cela que vous voyez que à chaque fois que Fally cherche, trouve quelque chose où il pourra donner encore quelque chose, il pourra se donner la force pour retourner dans les actualités, il veut grimper sur la chose-là. Et la chose-là, c'est M. Gauthier Séhi. Comme partout, on ne parle que de Ferregola. Ferre a fait ceci, Ferre a fait cela. Dynastie 2 arrive. Fally ne veut pas lâcher l'affaire de Gauthier. Malheureusement, encore une fois, c'est lui qui négocie Gauthier. Mes chers amis, vous pensez que Fally va accepter l'humiliation de Gauthier Séhi? Chère famille, vous pensez que c'est normal que Fally accepte l'humiliation des journalistes congolais, même pas étrangers? Vous pensez que c'est normal? Fally fera tout pour conquérir le cœur de Gauthier Séhi. Vous risquez de me donner raison. Le problème du tribunal ici de 19, ça risque de ne même pas exister. Puisque Fally ne va pas accepter l'humiliation. Si Fally était dans les vrais, chers amis, si Fally était dans les vrais, il devrait déjà s'attaquer au président de l'organisation de la francophonie. Puisque c'est lui qui est venu en premier pour dire que Fally n'avait jamais signé un contrat avec Vivendi. Mais pour lui, ça n'a pas été un problème. Mais comme Fally pensait que c'est lui qui va rebondir dans les actualités, il a donné ça du temps. Comme lui-même, il savait que Manix va parler pour lui, ça sera un coup, ce sera un débat contradictoire entre un journaliste qui veut promouvoir Ferregola et Manix qui va le promouvoir. Il attendait maintenant de voir qui sera le meilleur sur le plateau de Israël Mutombo. Malheureusement, M. Gauthier Séhi a été au-delà de son savoir, a été au-delà des capacités de M. Manix. Il nous a donné les événements. Quand il s'est attaqué à Fally, en aucun cas M. Gauthier Séhi s'est attaqué à Fally sur son corps. Il a attaqué Fally sur les points artistiques seulement. Il a parlé de ses prestations scéniques, de sa façon de chanter. Mais regardez M. Manix n'a fait qu'insulter Ferregola. M. Manix a versé de l'acide sur Ferregola. Arrivé jusqu'au niveau d'insulter Ferre qui ne sait même pas parler français. Pour lui, il pensait que parler français, c'est être intelligent. Mais là où j'ai vu la grandeur de Ferregola, mes chers amis, c'est le silence absolu. Malgré les injures que M. Manix a jetées envers sa personne, Ferre ne l'a pas traduit en justice. Ferre a compris que c'est une personne publique. Il peut être insulté. C'est la même chose que Ferregola. Il avait ignoré également Zacharie Bababasso. Zacharie a tout fait pour créer de la polémique. Il a tout fait pour rabaisser la personne de Ferregola. Lui, il a même dit, après la francophonie, il ne va pas laisser cette affaire comme ça. Il va amener Ferregola en justice.
Ce qui ne s'est jamais fait jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 2 mois que la francophonie a pris fait. Mais Zacharie Babassoué, il a lui-même abandonné les combats. Cela veut dire que Ferré a dominé, il a gagné Zacharie à silence. Sans parler, il a gagné Zacharie. Le monsieur Gauthier Seyi n'est ni de loin ni de près, selon mes analyses, camarade de Ferré Gola. Il ne se côtoie même pas. C'est comme s'il est seulement là. Il est fanatique de la bonne musique. Il a fait la comparaison entre Ferré Gola et Fally. Il a vu que Ferré Gola avait de la musique à lui. Il a du savoir-faire comparativement à Fally. Puisque je suis sûr et certain, M. Gauthier Seyi n'a pas encore à participer au concert de ces deux gens-là. Mais comme Dieu est grand, M. Gauthier Seyi, il a participé à la répétition de ces messieurs-là. Et il a vu vraiment Fally comme un aventurier musical. Il a échoué à interpréter ses propres chansons. C'est là où tout a été gâté. Mais pourquoi un monsieur comme Fally, qui sait qu'il peut être fatigué, c'est normal. Il peut avoir de la malaise, c'est normal. Pourquoi ne pas accepter que les jours-là, je n'ai pas été à la hauteur de moi-même? C'est pour cela que j'ai fait les semi-live comme les gens le disent. Pourquoi ne pas accepter qu'à un moment donné, on ne peut pas être à forme? Il y a des fois où on peut avoir des difficultés dans la vie. C'est normal. Il y a un monsieur encore, je pense que c'est toujours Manix, juste parce qu'il a échoué à faire un débat contradictoire avec Gauthier Seyi, il s'est mélangé lui-même en insultant tous les musiciens des locaux. Je peux accepter si tu insultais Robino Mundibu Loco, Gaz Mouette Loco, mais pas un monsieur comme Koffi Olomide, mais pas comme un monsieur Werrason. Ce n'est pas normal. C'est impossible et inconcevable de voir un monsieur qui a de la calvitie, donc il a déjà pris de l'âge. C'est un monsieur qui a dépassé à peu près, il est dans les quarantaines, qui ne comprend pas. Et qui ne sait même pas définir un musicien un musicien international, soit un musicien de renommée internationale, il n'est pas capable. Mais c'est lui qui se donne le courage de donner le cours de la musique aux mélomanes qui connaissent la musique. Lui, un acteur, un influenceur, je ne sais pas, chroniqueur un chroniqueur politique qui veut donner de la leçon aux chroniqueurs de la musique. Le monde à la verre. Monsieur Fally Ipupa, je sais que de près ou de loin, tu peux être derrière ces choses ici. Ça, c'est mon analyse personnelle. Monsieur mon frère, mon artiste de mon pays, Fally Ipupa, tu es international. Koffi Olomide, il est international. Werrason est international. Inosbi, international. Eritio Atanabe, international. On ne peut pas changer l'histoire vraie. On ne peut pas mentir l'opinion internationale. Toi, Fally Ipupa, en France, quand tu étais avec Macron au Congo, les Français ont dit quoi? Les artistes locaux, les musiciens locaux du Congo. Moi, je t'ai défendu, j'ai dit oui, tu es du Congo, tu es local. Quand on parle des locaux, comment vous définissez ces mots-là? Je vais vous parler d'un musicien qui vit en France, qui fait de la bonne musique en France, il a beaucoup de disques d'or en France. Mais c'est Nino, c'était Congolais, je pense, mais français. Je ne pense même pas, quand je regarde son parcours, le palmarès de ce monsieur-là, il n'a même jamais joué même en Allemagne. C'est un musicien local, il n'est même pas international. Mais il a une renommée internationale. Nino n'est pas national, il n'est pas international, il a seulement des renommées. Il n'a pas de concert à Libanda. Quand on voit Bramsito, c'est un musicien local en France. Il n'a jamais joué même à l'extérieur. C'est un musicien local.
de renommée peut-être internationale, mais lui-même, il n'est pas international. Vous voyez la différence? Même Inosbi, il a fait de l'international plus que Nino. Inosbi a joué à Côte d'Ivoire. Inosbi a joué au Togo, au Ghana, African Nation. Il a joué à Tanzanie. Il a joué au Cameroun. Il a joué à Côte d'Ivoire. Il a joué au Tchad. Ça, c'est Inosbi. Il a joué à Belgique. Il a déjà joué en Espagne. Il a joué à France. Et encore, il va retourner à Belgique. Ça, c'est un artiste international. Il a fait aussi États-Unis. Ça, c'est Inosbi. On ne peut pas les comparer à Nino. Nino, c'était un musicien local à France. Il a joué où? À part la France. Mais son renommée est internationale, puisqu'il a des œuvres qui parlent de lui à l'extérieur. Mais pour le moment, dans notre monité, Abimi Libanda, il a fait des ouf. Non, il n'a pas fait ça. Quand on vous dit des vérités, vous ne comprenez pas. Il faut qu'on vous relate maintenant de la vraie analyse pour que la population congolaise, soit les influenceurs, les youtubeurs congolais, comprennent qu'ils sont en train de faire la honte du média congolais. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Niger, ils nous regardent. Pardon. Ils nous regardent. Tout ce qu'on fait, on ne fait que de l'enfantillage, du fanatisme. On ne fait pas le vrai travail. On ne promouvoit pas nos artistes. On ne fait que les critiquer. Au lieu de donner, si un musicien n'est pas capable, donner les faits, prouver au monde qu'il n'est pas capable, comme j'ai fait toujours pour Fally, montrer qu'il est incapable. Là où il a de la capacité, j'ai toujours montré que Fally est capable de faire ceci, il est capable de faire cela. Je ne peux pas mentir à l'opinion que Fally peut faire des improvisations, puisqu'il ne l'a jamais fait. En aucun concert, Fally a fait des improvisations. Alors, je ne peux pas mentir à l'opinion que lui, il est dangereux, lui, il est meilleur par rapport à celui-ci, par rapport à celui-là. Mais quand on voit Inosbi par exemple, c'est un musicien qui fait des improvisations, un musicien qui a de la créativité. Mais quand on parle des choses pareilles, il y a les gens qui se fâchent, il y a les gens qui ne veulent même pas qu'on puisse parler de la vérité. Vous voulez qu'on puisse toujours dire Fally qu'il est bon à tout, à tout, à tout, à tout. Mais si vous voulez qu'on puisse dire seulement des choses à Fally qui sont des merveilles, on peut changer tout ce que les musiciens ont fait et on le donne à Fally. Si cela vous fera du bien, on peut dire que Fally a fait 2 fois Zénith. On peut dire que Fally a fait 4 fois Martyr. Ce n'est pas Ouera, c'est Fally. On peut dire que c'est Fally qui a joué au Palais des Sports. Ce n'est pas Ouera. On peut dire que c'est Fally qui est le premier musicien au Congo à jouer au Bercy. Ce n'est pas tous ces gens-là. On peut les dire. Si vous voulez qu'on puisse dire de telles choses, on va les dire. Mais si vous voulez qu'on puisse rester dans la logique, nous allons toujours vous dire, parler de la vérité et des réalités. Que ça vous blesse ou pas, je vais rester toujours cohérent dans mes analyses et vous donner de la bonne matière. C'est moi, Gilmas, l'homme des vérités.